gens repartent de là en se disant j'ai rien compris. Là, si ouais. C'était une pièce de théâtre, là c'était du UNESCO, mais putain, ouais. Ça en jetait. Non, mais déjà, quand tu leur fais une démonstration avec un bout de bois, tu sais, pour pouvoir faire l'orientation sans matériel, et qu'il y en a qui te disent c'est faux, c'est faux, ça ne marche pas, ça dépend de l'heure qui y est dans la journée. C'est faux. Et c'est faux, S-E-S-F-A-U-X. Non, non, F-A-U-T. Ah oui, F-A-U-T. C-E-S-F-A-U-T. C'est faux. Faut penser aux fringues de tous les jours, faut penser aux fringues de bivouac, tout le matériel de bivouac, savoir déjà aussi, comme on prend l'avion, si les sacs ils peuvent passer en soute ou si on peut les mettre en cabine. Il y a tout le matériel pour filmer, prendre des photos. Faut faire les petits retours tous les jours aussi là. Je sais pas comment tout va rentrer encore. Je réfléchis. Bien sélectionner les fringues aussi pour apprendre tous les jours parce que je veux pas des trucs trop voyants non plus. Il y a tout ça qu'il faut ranger, préparer. Parce que on part en voyage. Bah en voyage ou on part en aventure? Les deux. Et tu pars pas toute seule? Non, je pars pas toute seule. Je ne pars pas toute seule. Donc ça, ce sera la surprise aussi. Tu verras ça le jour. Tu verras, je veux te... Tu verras le jour? Tu verras au jour le jour. Je veux te réserver la surprise. Ta préparation est longue, hein. C'est fatigant. On voit que tu commences à être... Bah oui, parce que entre les journées de boulot plus la préparation après, j'enchaîne. Donc c'est un peu... Voilà, mais après quand on y sera, ce sera très bien. Faut penser ouais, à tout ce qui va aller dans la soute. Ouais, en plus il faut pas prendre de batterie dans la soute, pas de pile, pas de gaz, pas rien quoi. Donc c'est un peu compliqué. Non, ça on prendra en cabine les batteries de drone, les batteries d'appareil. Oui. Ils savent pas avec quoi tu. Avec quoi c'est filmé toutes tes petites vidéos là. Non. Donc là il y a une partie du matériel. Une partie. Ouais. Une partie seulement. Les drones sont là. Et puis bien sûr, il y a l'appareil qui te filme là actuellement. Ouais, qui est tenu par Bibi. Ouais. Il y a le gros sac Marès là, c'est lui qui va aller en. En soute. C'est lui qui va aller en soute. Putain, c'est une couverture en dessous. Mais par contre, oui, il y a des vestes, je vais prendre. Il y a des vestes que je vais prendre. Peut-être pas prendre la doudoune, mais je vais prendre. Je vais prendre ma softshell. Est-ce que je prends ça aussi? Parce que le problème, c'est que je voudrais pas qu'il y ait marqué Quechua. Quechua. Tu vas quand même dans un pays où c'est pas la misère. Oui, je vais dans un pays où c'est pas la misère. Les mecs en Quechua, t'en verras quoi. Ouais, je sais bien. Je vais prendre mes tropéziennes, elles sont en train de sécher un peu au soleil, mais... Tu prends le Dimatex pour les petites expéditions hein. Bah ouais. J'espère que tout va rentrer dedans parce qu'il y a quand même les sacs de couchage. On prend pas les gros sacs de couchage. Non mais même si on prend pas les gros sacs de couchage, le truc c'est qu'ils prennent quand même de la place. Il y a les tapis de sol aussi qui vont avec. Oui mais en optimisant ça va. T'emmènes des plats lyophilisés pour. Ah oui tiens les plats lyophilisés c'est ça. Il faut que je sorte tous les plats lyophilisés aussi. Non c'est un vlog. Mais comment on trouve le blog là? Non, c'est un vlog, c'est des... Un vlog? Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est des vidéos qui seront mises... c'est des vidéos qui seront mises sur la chaîne de Clé. Tu pourras manger okay. Celui-ci. Il n'y a pas de lactose dedans. C'est à quoi? C'est poulet curry. Montre. Poulet au curry. On avait déjà testé en plus des réels turmates là. Ils étaient bons. Hein. Ils étaient très très bons. C'est les partenaires là, qui vous envoient ça? C'est Lyophilis & Co. Ouais. Ah ouais. Qui lui a envoyé ça. Qui, ça, 400 grammes quand c'est réhydraté. Les penne à la bolognaise. Et là, ça pèse combien? Là, ça pèse 105 grammes. Poids net, 85 grammes. Et poids brut, 100 grammes. Et tu vois, c'est mon gros sac de plongée. Où dedans, on va mettre... À la Jacques Maillot, là. Le Dimatex et plus toutes les affaires qu'on peut pas emmener en cabine. En cabine, ouais. Et en cabine, c'est les batteries, tout ce qu'on n'a pas à mettre en soute. Poids net 125 grammes, poids réhydraté 575 grammes.
la purée à Ligo là. Ah oui, pour l'instrumentation du cockpit, elle demande de l'étendre et de le mettre en mode avion, c'est dans l'homme, en mode avion. Et là, 115 grammes et poids final 400 grammes. Pour le poulet tikka masala. Attends, vous devez être content de partir là. Putain. Ça va être excellent ça. Cache ta joie, Erwan là. Si, je suis content, ça va. Bon, c'est génial quoi. Bon, ouais, il faut qu'on s'active. Ouais. Bon, c'est l'heure de la bière. Oh, c'est ça. Le trajet a été long quand même. Hein. Faut avouer, de chez nous à dans le Finistère, c'est loin. Ah bon, tu dis où est-ce qu'on prend l'avion en plus? Ah, j'ai pas dit où. On a réussi quand même à tout caler. Hein. Mmh. Ah, c'était pas facile quand même, on a été obligé de reprendre des bagages et tout ça. Voilà, mais là, on est bon. Moi, là, je suis impressionné par le... On montrera demain la taille du Dimatex. C'est le sac que tu avais pris pour le GR. Ouais. Et ah oui, pour la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Ouais, avant le vlog. Ouais, donc voilà. Et ceci dit... Bah pour tous ceux qui me disent « Ouais, t'as pris un frigo avec toi, ton Dimatex est beaucoup trop grand pour toi et tout. » Bah vous allez voir là. Hein ? Tu vas voir. Tu vas voir s'il est trop grand pour moi. Que... Bon, je crois quoi. On dort dans la voiture en plus. Bah oui, on dort dans la voiture. On va pas prendre un hôtel en plus, sachant qu'on a... l'enregistrement des bagages à 4h du matin. Et on décolle à... 6h. Donc l'embarquement est à 5h, je crois. Donc voilà. Julien, il n'y aura personne au moins. C'est fou comment un tout petit aéroport comme celui-ci peut attirer autant de monde. Parce que le parking, il est blindé en fait. Ah oui. Vous êtes obligé de se garer au bout du parking quoi. Ouais. Bon, ça va, il n'y a que 8 minutes de marche pour arriver jusqu'à l'aéroport. Ça devrait aller, je pense, quand même. Je pense. <rire> 3h32. Il fait froid. La nuit n'a pas été terrible. C'est les affaires. Ouais, les affaires pour partir. On est prêt à enregistrer les bagages? On est un peu tôt, remarque. Hein. On a encore un peu de marge. C'est encore éteint, je crois, là-bas. Enfin, ouais. L'aéroport, non, ça va. Mais la tour de contrôle, elle est encore éteinte. On part d'où alors? C'est quoi ce bled? Bon, let's go.